Notre calèche est enfin sur ses roues. Donc le programme de la journée, ça va être de maquetter pour faire le parcrotte devant et pour faire tous les tubes de périphérie donc, qui vont venir renforcer et puis protéger surtout les côtés de la voiture. On va le faire en tube de 17 et puis on va voir comment ça se passe, mais ça devrait nous prendre une bonne partie de la journée.
On vient de finir la fabrication donc du pare-crotte et du début du châssis périphérique. On a positionné ça pour que ça fasse un petit peu plus joli. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va garnir donc tout cet espace ici, des espaces qui sont ici et ici, avec de la tôle acier ajourée qui est ici. Voilà. Donc il faut qu'on la guillotine, là, qu'on la coupe à la bonne cote pour faire les bauches. Et après on va faire le tracé d'arrondi. Le petit souci, c'est que les tôles font que 1 mètre de large et que moi je fais là 1 mètre 30 normalement ou 1 mètre 28, donc il va falloir que je fasse un raccord et on va voir comment on peut faire un raccord pour qu'il soit le plus joli possible. Donc j'espère qu'on va pas trop galérer et puis voilà, après dans l'ensemble ça s'est plutôt pas mal passé, on n'a pas eu de raté. Voilà. Donc le plus difficile, c'est de faire les cintres et les arrondis pour que ça colle pile poil. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est mettre les selleries en place. Je suis allé les chercher tout à l'heure à l'atelier de ma soeur, donc elles sont ici. Elles sont prêtes, elles sont faites, et du coup, on va venir les positionner pour pouvoir fabriquer les supports. Donc, elles vont être posées à peu près comme ça, et il va y en avoir 3, et bien sûr, elles vont se relever. Hop, donc là, l'idée c'est de mettre en place un tube comme ça ou comme ça jusqu'au bout pour pouvoir supporter les banquettes. On va le faire en tube cintrable, donc le même tube qu'on a utilisé pour faire ça ici, et puis voilà, donc on va voir comment on peut faire ça.
Alors, j'ai un peu avancé hier soir sans vous. J'ai reçu le siège. Donc j'en ai profité pour finir les appuis de banquette ici, faire la liaison entre le tube de périphérique qui va devant et le support de banquette. Et j'ai aussi commencé à fabriquer des supports de protection de siège meneur. Donc ici, pareil, en même section, au tube de 21. Et en même temps, ça servira de poignée pour le passage central. Voilà. Donc là, je reprends sur la fabrication des dossiers. Donc on garde la section en tube de 21. J'avais commencé hier à faire les petits cintres et puis du coup, je vais reprendre. L'idée, c'est de venir couper ce tube-là parce que ça, c'était juste un support de fabrication. Venir fixer le pied ici, faire le tour comme ça. Et revenir se river soit ici, soit ici. On va voir comment ça tombe. Alors, on a bien avancé, la structure de base, elle est quasi finie, elle est pointée. Il manquera plus que les supports de dossier à ajouter. Pareil pour la protection du siège meneur. Donc là, tout est cintré et pointé. Voilà, tous les trous sont débouchants, donc ça c'est impeccable. Et voilà, là la liaison est faite. On va voir si on met pas un autre renfort d'ici à là. Et puis voilà, ça fait une bonne journée de boulot. Donc là, je pense que pour ce côté, c'est quasiment terminé au niveau du support de dossier et pareil des supports de banquette. Donc on va attaquer l'autre côté, on va faire la même chose. Le siège est légèrement différent parce que de ce côté-ci c'est une banquette et pas un siège meneur, donc c'est une assise plate, donc il va falloir qu'on vienne fermer ici. On va voir si on peut faire la même chose que là. Ça servira de main courante pour monter dans la voiture. Voilà, donc ça avance bien, on va continuer. Au niveau de la partie support, des banquettes, ce qui nous reste à faire, c'est positionner les charnières parce que dessus il va y avoir des banquettes relevables. Donc on a réussi à tout cintrer correctement, que ce soit bien symétrique, un peu la difficulté de la chose. Pour devant, on a fait les deux protections, donc protection meneur et protection passager de l'autre côté. On a fait aussi derrière ces pièces-là qui serviront de poignée pour accéder à l'avant et à l'arrière de la voiture lorsqu'il y aura la marche. Là, elle n'est pas faite, mais il va y avoir une section de tube donc pour fermer cette partie-là. Ça permettra d'accéder donc à l'avant et à l'arrière de la voiture. Au niveau du renfort latéral, donc tout est pointé. Et il me reste seulement cette petite partie à faire là. Donc là, il faut que je redresse le tube pour faire rejoindre cette pièce-là, comme sur l'autre côté. Voilà.
Ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait hors caméra aussi, c'est de positionner ces ferpas-là là, qui serviront à la réception des banquettes. Donc les banquettes vont être relevables. Elles sont là-bas. Et du coup, j'ai positionné là des 6 ferpas parce qu'il y aura 3 banquettes de chaque côté. Entre le châssis et le châssis périphérique. Et du coup, après, ben, on viendra percer les trous pour pouvoir fixer les charnières.